salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur PES 15, toujours avec le Havre, en mode Ligue des Masters, pardon, j'allais dire une légende. Donc, petit truc qui s'est passé, voilà, j'ai eu un petit bug sur l'épisode précédent, bah, je l'ai tourné, mais j'ai eu quelques bugs comme ça, ça m'a servi pour quelques vidéos, hein, donc je vous expliquerai sur lesquelles autres. Mais en tout cas, ça m'a fait un petit bug, donc j'ai fait des matchs. Et le problème, c'est que bah, j'ai enregistré la vidéo, sauf que il n'y a pas le son de mon micro. Donc ça va pas. Et comme honnêtement, j'ai la flemme de me retaper tous les matchs. Donc je vais reprendre de là où j'en étais arrêté, hein, un épisode après. Bon voilà, en tout cas, en attendant, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une belle victoire 4-0 contre Laval. Qui a fait bien plaisir. On a gagné 2-1 après s'être fait mener au score contre Clermont, ce qui faisait bien plaisir. Et puis après, enfin, un match tout moisi contre le Chamois Niortais, où on a fait 0-0. Toujours est-il que grâce à ça, on est quand même deuxième de Ligue 2, avec 4 victoires et 4 nuls. Avec... info sur la compétition, voilà. Avec derrière nous un certain Orléans, qui est là, avec 5 victoires et 3 défaites. Donc voilà, donc on va essayer de faire un bon match contre le SCO d'Angers, qui n'est pas une équipe facile à jouer. J'ai changé un tout petit peu la formation par rapport à ce que c'était avant. Voilà, j'ai fait une formation comme ça. Là, on va pouvoir faire tourner parce que tout le monde est mort. On va quand même mettre Okubo Sandro. Manzala, on va mettre Diaz. Merci, on va mettre Toulalan qu'on va modifier, qu'on va passer comme ça. Moutinho, on va le laisser. Emerson, on va mettre Salabi. Dans l'axe, on va mettre Bas. Tout le monde est un peu fatigué, hein, c'est la vie. On va mettre lui. Parce que bon... Bush, ça va. Après, il y a une petite semaine. Après, on a toujours pas d'autres gardiens. Tiens, j'ai pris des gardiens qui étaient libres. J'ai fait signer deux gardiens qui étaient libres. Un 76 et un 72. Donc, ça fait quand on les récupérera, on se débarrassera de Monsieur Bois. Désolé pour lui. Donc, ouais, un Polonais à 76 et un. Je ne sais plus. Il y en a un, c'est un Regen. Okubo, capitaine, non, sûrement pas. Amoutinho qui sera capitaine et on va jouer comme ça. C'est un peu la merde, mais c'est la vie. On va faire reposer un peu les gens qui ont joué, qui sont un peu fatigués. Donc on va essayer de bien jouer. Ça va pas être évident parce qu'aujourd'hui je suis pas dans un bon jour. Je joue comme une vieille merde aujourd'hui. Alors je suis désolé d'avance si le spectacle est déplorable. Merde, c'est la caméra qui est changée. Moi, c'est la vue aérienne ou c'est la supporter que j'ai? Je sais plus. Je crois que c'est la supporter, mais l'aérienne est un peu plus haute. Et il pleut. Il fait une sale pluie. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à jouer en ce mode professionnel. Hein. Je ne suis pas du tout un pro. Elle continue sa course. Je suis pas du tout un pro et ça se voit. Ça a dû se voir. Mais bon, c'est vraiment pas évident. Ah, dommage. On attend toujours le premier tir. Allez, oh non, Kubo, non, t'aurais pu passer là. Non, c'est dommage. Bon dégagement, bien joué. Dommage. Le Havre qui n'a toujours pas créé le moindre danger pour le gardien adverse. Allez. Allez, allez.
Ouais, mais partez pas comme ça, les gars. Vous partez là. Ah! Pourquoi t'as pas accéléré plus Je crois que c'était Diaz qui était là. Pourquoi il a pas accéléré plus? Non, c'est Sandro qui était là. 31, il me semble que c'est Sandro. Ah, c'est d'accord. C'est moi qui l'ai mis là. Ok. Ok, ok, ok. Bah, je me suis remarqué qu'Okubo en second attaquant derrière les deux attaquants, c'était pas top. Hein. C'était vraiment pas top. Il allonge. Comment on fait ça là? Comment ils arrivent à faire ça là? Des changements de rythme comme ça aussi importants. C'est pas des gestes techniques ça. Et même moi j'ai du mal à les faire accélérer mes joueurs. Toujours pas de but ici alors qu'on se rapproche de la pause. Il écarte le jeu. Kodja, il est rapide Kodja. Est-ce que ça va sortir? Non. Ça va faire but ça. Bien joué. Jusqu'au danger. Oh, qui n'arrive pas à concrétiser sur cette énorme occasion. Okubo. Bien joué. Il l'a vu. Non, c'était pas pour là. Et défensivement, c'est parfait. C'était pas pour là. C'était pour le second poteau là. Pourquoi t'es allé me chercher? Oh, ça va, il est pas fait faute. On va prendre un petit carton. Putain, c'était pas pour là le centre. Il était pour le second poteau. Pourtant, j'avais bien ciblé le second poteau et tout. Mais il a fait ça. Il m'a fait un sale centre bien dégueu. Bien joué. T'es bien battu au coup, ça fait plaisir. Il va se présenter devant le but. Non, contré par mon propre joueur. Oh, c'était bien joué, mais ça suffira pas. C'était contré par mon... Ah non. Qui peut faire la différence à lui tout seul. Il va falloir être précis. Contré par mon propre joueur, quoi. Oh. Ça ne passera pas, avantage défense. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. Allez. Toujours 0-0. C'est encore un match ouvert, même si c'est tendu du slip. Non! Okubo, pourquoi t'as pas encadré là? Je suis sûr qu'il aurait pu. La mettre direct s'il se serait impliqué un peu. La passe dans la profondeur. Va-t-il en profiter? Allez. Allez, on repart. On repart. Non. Putain, il se fait rattraper. Bon, c'était le défenseur. J'aime croire que ça va très rapide. Mais... Première mi-temps sans but, la seconde s'annonce de la même facture. Allez. Toujours le premier but dans cette rencontre. Dans l'espace. Tout l'allant. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Putain, mais. Putain, c'est dans des trucs comme ça, quoi. Les mecs, comment ils arrivent à accélérer aussi vite, quoi? Comment ils arrivent à accélérer aussi vite? Toi, t'es en pleine accélération, mais ils vont quand même plus vite que toi, quoi. C'est ça qui me tue. Ils arrivent quand même à te rattraper en 2-2 alors que toi tu t'es déjà lancé et tout. Ça joue long. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça joue. Tout l'allant.
Allez, accélère au lieu de me regarder au Kubo là. Ah ouais, mais non, mais elle est mal donnée celle-là. C'est mal donné tout ça là. Non, il était hors jeu sur cette passe. C'est mal donné tout ça là. Je sais pas si c'est dû au niveau des joueurs, mais il y a tellement d'imprécisions dans les passes et tout. Mais je pense pas que ce soit dû au niveau des joueurs parce que les siens ils font pas ce genre ils ont pas ce genre de défaut là, on va dire. C'était une belle frappe. On peut déjà lui dire ça au Kubo, c'était une belle frappe. Elle était cadrée. Alors, comment vont-ils jouer ce corner ? C'est pas assez. Le coup de tête. Oh le but ! Il marque ! Oh le but de la tête ! Je sais pas qui c'est qui marque. Oh le public, qu'est-ce qu'il est moche. Qui c'est qui marque ? C'est Sandro. C'est Sandro qui marque. De son froid pour mettre cette tête, alors que ce n'est pas un attaquant, n'oublions pas. Et Bois qui est content. Il peut le toucher. Il peut toucher du Bois. Ça nous servira pour plus tard. Il est content, Sandro. Très très bien tiré ce. J'y croyais pas beaucoup. La tête est très très belle. Hein. Baseli. Pour la tête de Sandro. Ouais, elle est superbe cette tête. Elle est superbe parce qu'il faut faire des petits changements. Ouais, ils ont déjà fait des changements. On va sortir peut-être. Sandro qui va sortir et Mosquito. Parce qu'on a besoin quand même de la. Même s'ils sont, ils ont plus de jus, Baseli, tout ça, ils sont quand même forts, quoi. C'est quand même des bons joueurs. Je préfère privilégier et mettre sur le terrain les mecs qui sont en forme plutôt que les mecs qui sont en méforme. Quoi. Oh, il est parti là. Bien joué. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant. Une poignée de secondes, voilà ce qui les sépare de cette victoire. C'est bientôt la fin du match, si ça continue comme ça, ils finiront par avoir des regrets. Ah oh, putain, ça j'aime pas quoi, les mecs qui te... La tête. Bien joué, Bois. C'était joli. C'était joli. Ça sent la vieille égalisation. Allez. Et c'est fini. Oh, c'était victoire de justesse, quoi. Après un match plutôt moyen. Après un match plutôt moyen, c'est la victoire quand même. 1-0. But de la tête, c'est pas un péno, ça fait plaisir. Et on reste deuxième, oui, parce qu'on était arrivé deuxième. Hein. Petit début de saison, mais pour l'instant ça va. Mais petit début de saison quand même. On va jouer contre 3. D'ailleurs, on sait même pas contre qui on va jouer dans ce match-là, mais c'est pas grave. Hein. Ouais, donc j'ai fait. C'est ces deux-là qui vont nous rejoindre. Lui là, Schwarzer, là, qui est un regen. Un Australien et un Polonais. Allez. On va continuer le plan de jeu. Comment est la santé de l'équipe? C'est bon, tout le monde va bien. Toulalan n'est pas tellement en forme, donc on va l'enlever de la feuille de match. Milieu défensif ou plutôt milieu récupérateur. Mmh.
63, ouais, c'est pas énorme, mais qu'est-ce qu'il dit par rapport à celui qu'on a mis là? 63, 63. Un peu plus technique, flouchon. Un peu plus rapide, un peu moins de puissance. Bon, allez. On va y aller comme ça. On joue encore une fois à la maison. On vient de jouer à la maison là. Non, non, on n'a pas joué à la maison. Le Havre contre l'Estac. Allez. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet, très concentré. Effectivement, très concentré, très très con, centré. Comme la lessive, concentré. Ça n'a rien à voir, mais c'est pareil. Ça, c'était une passe bien moisie. Dans le genre passe moisie, c'était pas mal. Putain, il s'est bien débarrassé du ballon, c'est ça les goûts. Hein. Oh, c'était bien joué ça. C'est beau ce tacle. C'est ça qu'on aime. On aime les tacles comme ça. Longue ouverture. Il tente de la jouer dans non. Et en plus, la balle, elle passe entre les jambes. Quoi. La balle, elle passe entre les jambes, pardon. La frappe. Qu'est-ce que ça fait là? Sortie, touche. Ah putain, c'est contre. C'est contre à la FIFA ça. Une très grande ouverture. Oh dommage. Ah, il a aspiré le ballon, le gardien, c'était tout chelou ça. Ça c'était tout chelou, je soupçonne du cheat là. Je soupçonne un brin de cheat là. Je soupçonne un brin de cheat parce que il a aspiré le ballon, le gardien, c'était louche. Oh, la frappe elle était jolie. La frappe elle était jolie. En finesse. Le gardien, c'est pas fini. Il y a du monde dans la surface, c'est chaud sur ce corner. Allez. Ah. Le dégagement le plus loin possible. Et le tableau d'affichage est toujours figé, 0-0. La frappe et le but. Pardon, j'ai mis un petit coup dans mon micro. Le but de Manzala. Désolé, je règle mon truc. Le but de Manzala. Voilà, il était pas mal le but. Il y avait l'espace. Le contrôle était un petit peu long. Et le petit ballon, bien joué Manzala. Ça fait 1-0. Premier poteau. Manzala, oui, que j'ai replacé là à la place de d'Okubo. Pour ceux qui se demandaient. Parce que je trouve Manzala, je trouve plus utile d'avoir un milieu offensif que. Oh, la frappe et le but 2-0. Le but de Mosquito. Ah, bordel. Le but de Mosquito. C'était bien joué. C'était bien joué. La première occasion était sublime aussi. Hein. Trop sur le gardien et la deuxième. Elle est parfaitement placée. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Loin devant. Non. L'arbitre sifflera la mi-temps dans 5 petites minutes. Allez, accélérer encore une dernière fois. Attention à cette passe. Oula, cette passe elle était ultra chelou. Intercepté, ça aurait pu faire mal.
Tu mets du physique, hein, faux garçon. Allez, tu... Le bon service. Là, il n'y avait aucun physique là dans ce que tu m'as fait. Hein. Là aussi, là, il n'y avait aucun physique. Là. Je sais pas ce qu'il a fait le ballon là, mais. Bon. Ils ont été efficaces. Allez. Ça fait plaisir, quand même. Allez, faut essayer de garder cette avance. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Il n'a pas réussi à faire de différence dans les zones décisives aujourd'hui. La frappe. Que c'est lui le danger, alors ils essaient de le priver de ballon. C'est une tactique qui marche plutôt bien jusqu'ici. Comment il a fait pour récupérer le ballon là ? Ayas maintenant. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Gardien. Soit tu laisses, soit tu prends là. J'aurais préféré que tu prennes quand même. Non. Ayas maintenant. Mamadou Ndiaye. Il écarte le jeu. Il peut repiquer dans l'axe. Allez. La frappe. Dommage. Un peu d'oxygène pour sa défense. Ah ouais mais Manzala là, t'as vu qu'est-ce que tu m'as fait là aussi là. Alcacer. Ils n'ont pas encore fait un seul changement. C'est important. Non. Qu'est-ce que tu m'as fait avec tes pieds, garçon? Ah, dommage. Mais pourquoi tu vas pas dessus? Ballon intercepté, ça soulage la défense. J'ai pas de radar, tiens. Bizarre, ça. Non, c'est pas là que j'ai demandé, moi. C'est pas là que j'ai demandé, garçon. Alcacer. Il joue dans la profondeur. Ah. C'est un peu trop long. Un petit peu trop long. Sur la touche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. Bon, mais non, mais c'est quoi ce centre? Un centre encore. De la tête. Ah, c'était bien joué. Ils sont passés tout près du 3-0. Aïe, 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 ils auraient pu tuer le match. C'est presque impossible de remonter. Mais c'est... Ce genre de truc, c'est que c'est les trucs qu'on doit mettre. Il tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Ça, c'est des trucs qu'on doit mettre. Ça. Le bon service. C'est un peu trop fort ça. C'est beaucoup trop fort. Allez. Allez, il faut tenir là. Il faut pas prendre de but là. On va faire chier le gardien. La frappe. Non, qu'est-ce que tu m'as fait, Diaz? Qu'est-ce que t'as essayé de me faire là? Non. Non. Oh, ce jaillissement de fou. Alcacer. C'est bien fait ça. La frappe, oh, ça passe à côté. Si c'est terminé, il n'aura pas de... Oh, dommage. Et il remporte donc cette victoire et elle est méritée. Putain, 10 exceptionnel. On se tire 10 cadrés quoi. C'est vraiment un pur régal. Il y a eu tout dans ce match. Des occasions, des duels. On s'est régalé. J'aimerais... Combien il n'y a pas de... Ça, mais tous les week-ends.
On peut pas voir les stats. Tir arrêté, 8. 8 tirs arrêtés pour le gardien adverse. Putain, une muraille. Une muraille, Petrić. Une muraille. Il me reste quand même deuxième. Josser est premier. Et on prend de la billetterie qui fait plaisir. Allez, on arrive en novembre. 3 novembre. Saison 2017-2018. Commence à faire maintenant. Ça commence à faire le premier contre le deuxième. Et pas repasser à 52 en confiance équipe, ça c'est bien. Tout le monde va bien sauf le gardien. Et ça c'est con, on peut pas le changer. On va changer bas. Et c'est Amoutinho qui va devenir capitaine. Et on va jouer donc contre la JOCR à la maison. Tenter de faire quelque chose de bien. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tullet. Salut Grégoire, salut à tous. Ravi de vous retrouver pour ce qui, j'espère, je sens en tout cas, sera un grand moment de football. Non. Non. La faute. Heureusement qu'il y a faute là parce que... C'est pas du tout ce que je voulais. C'est pas du tout ce que je voulais. Peut-être un petit peu loin, mais on ne sait jamais vu la qualité de sa frappe. Baseli. Regardez. J'aurais dû la mettre un peu plus sur... Je veux bien la regarder au ralenti, en fait. D'accord, ouais. Il a mis un effet, mais pas l'effet... hein, pas un petit effet, quoi. C'est l'effet. Il est pas mauvais, Baseli. Hein. Je m'attendais pas à ce que l'effet soit aussi important. Là, il a vraiment mis un effet, un truc de fou, quoi. Oh, c'était joli, ça. Limite un geste technique, ça. Oh, la frappe. Manzala. La grosse mine de Manzala. Il était dans le cadre. Il y a du monde dans la surface. C'est chaud sur ce corner. Wow. La défense qui s'offre un répit. Cherche la verticalité. Voici un bon centre. Oh, dommage. Le ballon sort. Dommage. Bah, il faut s'appliquer sur ces centres. C'était pas un tir, hein. C'était pas un tir, pourquoi tu me le demandes comme ça? Tu aurais pu être apparenté à un tir. Ça aurait pu être apparenté à un tir, on aurait pu croire. On n'aurait pas su que c'était un centre, j'aurais pas dit que c'était un centre, on aurait pu croire que c'était un tir. Un tir à tout ce qu'il y a de plus correct en plus. Pour trouver la faille dans la défense, tente sa chance. La deuxième tête, oh là là, le double arrêt de Léon. La position était idéale face au gardien, il se débrouille pour ne pas marquer, c'est presque un exploit. Ouais, mais là Léon, il a fait fort. Là. Pas d'évolution au score, toujours 0-0. La double parade. Ça va se intercepter. Allez, bien chemin de ça là. Non, non. Une très grande ouverture. Ça va sur l'aile. Oh. Oh, la grosse occasion. La tête, ah, oh, c'est pas vrai. C'était bien fait, mais il manque le Manzala encore une fois qui était là. Super débordement, même si le, putain, le gardien était battu. Il joue avec le fond en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. C'est pas vrai. Déjà, Léon, c'est l'homme du match. C'est obligé.
La parade qu'il nous a fait, quoi. Ça, c'est une petite faute, ça, monsieur l'arbitre. Hein. C'était une petite faute, ça, monsieur l'arbitre. Hein. Ouais, mais c'est pas ça que je voulais. Pas aussi fort en tout cas. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Wow. Dans 5 minutes, l'arbitre va siffler la pause. Il restera un ou deux bons coups à jouer là. Comment ils font pour m'éviter comme ça, quoi? Non, Manzala! T'abuses, j'ai vu comment il a tourné autour du ballon là? Fort. Laisse tomber. Bon, ça fait 0-0. 4 arrêts déjà. Pour Léon. Dont 2 parades réflexes. Ultra difficile à réaliser, mais 2 parades réflexes quand même. Ça sent pas bon pour nous. Si on n'arrive même pas à marquer comme ça. Allez. Il fait l'affaire quand même, bon, il est pas très fort, mais il prend souvent des buts. Alcacer. La proximité, enfin là. Ah là là, les passes des fois c'est... Pas d'inquiétude, vous n'avez rien manqué. Toujours 0-0. C'est important, eux ils arrivent tout le temps à faire leurs passes là où ils veulent. Hein. Bon, pas à part là. Ça va, il faut que ça tombe sur le mauvais exemple. Alcacer. Non, j'ai dit devant, j'ai pas dit Alcacer. J'ai dit devant. Plus le temps passe, plus l'ouverture du score pourrait être décisive. Alcacer. Il va frapper. Ouais, mais là tu peux pas, là tu peux pas. Alcacer, non, tu sais pas tendre la jambe. C'est important. Je l'ai pas touché, je l'ai pas touché. Je l'ai pas touché. Bon, allez. Bon, mais tant pis, ça fera un joueur de moins à remplacer, ça. C'est cool. De toute façon. Gardien, il est imbattable, donc on va prendre une défaite. Ça devrait se solder. Pourquoi tu te... Pourquoi il met pas plus d'efforts en fait dans son truc là? Je comprends pas pourquoi le type il met pas plus d'allant dans son. Je sais pas. Pourtant on a un style de pressing fort et tout ça, mais les mecs non ils sont dans la demi-mesure en fait. Ils sont pas à fond. Ils sont pas à fond. Ils se retiennent. Je sais pas pourquoi ils se retiennent. Ah, il manque Alcacer, ça se voit. Alors tu me fais pas un coup du j'y vais pas, hein, garçon. On est en attaque, tout le monde y va et puis tu cherches pas. Hein. Parce que sinon, ça fait des situations de merde comme ça. Là. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Et là, je te raconte pas le bordel. Là. Le Havre pour aller chercher la victoire dans les dernières minutes. Ah, ils arrivent à bien te contourner là. Non, c'est pas là que j'ai demandé. C'est pas là que j'ai demandé la passe. Comment ils font pour faire ça là? Comment ils font pour faire des trucs comme ça là? Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça que j'ai demandé. Ça va être récupéré. Dommage que comme dans FIFA on puisse pas dire tu sais ultra offensif ou ce genre de choses. Mais ouais, mais l'appel, tu fais pas un appel là garçon, là tu fais rien là.
Mais ouais, mais... Faut frapper, là. Oh. Et l'arbitre signale la fin du match. Ça s'est joué à rien. Voilà, les mecs, ils font pas d'appel vers l'avant. Ouais, match nul, 0-0, et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant, il a manqué des buts dans cette rencontre. Beaucoup de spectacles, beaucoup de jeux, beaucoup d'intensité. 4 arrêts, quoi. Beaucoup de plaisir. Putain, un Léon, c'est pas Léon l'homme du match, j'ai pas fait gaffe, mais ça doit être Léon, parce que... Avec les arrêts de dingue qu'il a fait, mais un truc de malade. Bon. En tout cas, on va s'arrêter ici pour cet épisode, parce que c'est bon, on a fait nos 3 matchs. On a fait nos 3 matchs. Joueur suspendu. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, on s'arrête ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure sur PES 15 avec Le Havre. Allez, ciao.